Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi, le vendredi 26 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, se contenter de peu. Si l'on sait se contenter de peu, on est calme. Si l'on veut toujours plus, eh bien on est stressé et agité. Aujourd'hui, j'ai pigé la richesse des expériences. Eh bien oui, encore une fois, nous sommes ici sur Terre pour expérimenter. Nous ne savons pas tout, donc nous devons faire nos expériences. Et puis, malheureusement, on fait des expériences qui ne sont pas très positives, et par contre on fait des expériences positives, et de nos expériences négatives, eh bien nous en tirerons des leçons. C'est pas un échec, parce que nous en tirerons des leçons. La richesse des expériences. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui vous semble très 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 difficile à surmonter. À la limite, vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. Eh bien, cette carte vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontable. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure, pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, n'est-ce pas? C'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Les réponses, elles sont là, mais vous ne les voyez pas, vous n'entendez pas, vous êtes tellement dans cette situation difficile que vous vous fermez à tout. Alors, rituel des expériences, pourquoi pas notez vos expériences significatives, comme vos succès, vos défis et vos échecs, et découvrez les richesses de leur apprentissage et déterminez comment vous pouvez les utiliser pour la problématique actuelle que vous êtes en train de vivre présentement. Prenez conscience que cette situation vous fait grandir et projetez-vous dans un an. Répondez à la question suivante. En quoi cette situation sera-t-elle transformée? En quoi cette situation sera-t-elle transformée? Les expériences sont là pour nous enrichir. Et encore une fois, nous sommes ici pour expérimenter.
et vous êtes dans une situation difficile et tellement difficile que vous ne voyez pas que les réponses sont autour de vous et en face de vous. Prenez des décisions avec le cœur et demandez-vous si vous avez déjà vécu cette situation. Et si oui, qu'avez-vous fait quand vous l'avez vécu? Et pourquoi vous la vivez une deuxième fois? Très très beau message pour terminer cette semaine. Je termine avec la pensée positive aujourd'hui. Eh bien, je m'exerce à être imprévisible. Quand je me permets d'être imprévisible, je vais du connu vers l'inconnu, là où tout est possible. Eh bien voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et puis un très 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 joli week-end. Pour certains, eh bien, les vacances se terminent. Pour d'autres, les vacances vont bientôt commencer. En tous les cas, prenez soin de vous dans la douceur. Prenez soin de vous avec beaucoup d'amour. Hein, c'est important. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de ceux que vous qui sont autour de vous, c'est aussi important. Et on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.